Ça fait 3 ans qu'on dit qu'on en a assez, qu'on n'est pas écouté. Et là, vraiment, avec toutes les problématiques sanitaires, climatiques, le non-respect de l'agriculture et des agriculteurs, nous, notre volonté, c'est de pouvoir vivre dignement de notre métier. Et donc là, le gouvernement va devoir nous écouter et nous entendre. Et... Et je suis ici pour dénoncer un peu les charges que nous avons eues sur nos exploitations, car c'est de plus en plus difficile, car les prix ne suivent pas. Et après, pour aujourd'hui, on fait les boulots ensemble, et enfin, chacun rentre chez soi à faire les boulots, et on veut qu'on se fait des charges de maïs pour vrai. Et là, voilà, nous, ça, on voulait le bloquer sur la... Donc aujourd'hui, notre but, c'est pas non plus d'emmerder les gens. Nous, ce qu'on veut revendiquer, c'est qu'on veut vivre de notre métier. Voilà, il y en a marre de toute cette agro-industrie qui se gave sur notre dos. Voilà, nous, ce qu'on veut juste, c'est pouvoir vivre de notre métier.